Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Ben bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans l'émission Plaisir Créole sur Canal Austral. Et ben, tu dois dire que ça m'y fait ici, là, avec ce paysage un peu lunaire, là, sur, dans le sud sauvage. Et ben, c'est parce que ma patrie fait un tour de l'île, ma patrie bataille pécaré, comme chaque semaine. Et là, ce soir, et ben, nous donnons notre rendez-vous pour la cuisine chez nous à Bassin-Labou avec un personnage que tu connais bien, mais que de ces derniers temps, on n'a pas bien lié un petit peu. Les normales, parce qu'il y a aussi un parti bas de carré, fait un tour de l'île, là-bas. Il est parti habiter un peu de l'autre côté de l'île là-bas. Et ben, il s'agit de Malboro. Malboro, ce soir, sera avec nous pour la cuisine. Et il paraît qu'il vient avec les trois dallons à l'île. Il vient faire la cuisine avec nous, un petit peu sa cuisine habituelle qu'il fait. Mais il s'énerve un petit peu, disons, ça fait lapin. Ouais, lapin. Après, il y aura d'autres plats encore, on ne nous connaît pas trop. Mais il va faire quelque chose pour nous. Et puis, ben, il va causer un petit peu pour nous et tout ça. Il va expliquer à nous un petit peu que ça lui a fait ces derniers temps qu'on n'a pas vieilli comme ça. Malboro. Donc, tu connais Malboro? Pas Malboro cigarette là, hein, Malboro le vrai, le Malboro, hein, cette il chante avec nous, cette il chante ces gars, il chante Maloya. Ben peut-être qu'il nous flatte un petit coup à soir, il va se chanter un petit coup pour nous. Mais bon, et nous perdons pas le temps, on va maintenant qu'un peu la route pour faire avant, il arrive à soir, là-bas, Bassin-Labou, et puis après nous retrouve là-bas, nous aura forcément Julie, nous aura aussi le couple Koulama Eric avec son madame, et puis m'y pense que François et Coco sera là aussi, seront là, pardon, aussi, et puis après, ben nous démarre la cuisine, hein. Mais bon, cela il tape bien. Ici, hein? Ah ouais, et puis on peut le paysage et Gaïa, on trace un petit peu d'y aller, sauf que l'œil avance et puis après il faut aller, faire la cuisine. Hein? Allez, ça va. Alors comme ça, pour prolonger mon sommeil, moi la couvert, allons-y remplacer le soleil. Oui, soleil, l'actualité, ôté, ça l'a pas travaillé, bon Dieu. Ôté, qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, diable, on me l'arrive encore. Ôté, qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Malboro, pareil, madame, quand il arrive, il faut lire un certain temps pour lui sortir de sur le toit. Bon, il y arrive bien, ça va aller. Malboro, comment allez? Comment allez, mon nation? Viens où? Ouvre la porte, tiens la chevillette. Elle a une petite chevillette. Vous connaissez la chevillette ou? Toujours la chevillette. Ben, comment allez, Malboro? Comment allez, Jean-Claude? Ça va me sortir quand si vous, moi, vous connaissez? Comment ça, Jean-Claude? Vas-y, pareil, Malba, quand il arrive, là, on a la musique dans l'auto. Je ne peux pas connaître. Pour tromper, okay. Malba? Mais non, le même Malba, mais on dirait force fréquente à vous aussi. Ah oui, force fréquente à moi, c'est à toi de ça. Ben, voilà. Vous prenez tout ça, relax. Non, mais là, mon amène, elle est. Et allons la tête. Qui c'est ce monsieur-là? À quoi de moi? On a chauffé par exemple. Ah bon? Ah, moi, c'est sûr. Ça arrive à l'histoire de la plaine là-bas, ça? Mais ça, c'est mon bon voisin Yab. Ah, voisin Yab. On a un peu de tang là ou non? De petit, t'as entendu écouter. Ah, c'est comment où? Ah, moi, Cyril, moi. Ah, Cyril, hein? Sur la plaine là-haut, t'es? Oui. Et vous la rencontrez un bout comme Malbo. Oh, la plaine, parce que maintenant le palmi plein noir. Non, quand il a plein, c'est pas la plaine. Non. Attends, maintenant ils causent mal. C'est des gens qui m'entraînent. Ah, on vient d'arriver là-haut, la plaine des cafois. Voilà. Non, là-haut, l'ozone, ça par exemple, c'est un vrai plein des cafois. Voilà, il est là-haut. Mais en soi, ça ben. Il existe, ça ben. Mais les femmes, c'est des plaines des cafrines.
Et beaucoup de partage, baisser les gens des hauts, les comme ça, et ça ne changera pas. Où t'es gens des bas, on arrive gens des hauts. Voilà, mais moi là dans les hauts, j'en étais rapide la vie. Ouais, et ouais. 2017, la gueule bombe, coup de couille. Ouais. Mais comme dit Michel Almette, moi là glissé. Mais mon pari va à Marlboro, il revient. Bon. Et Inch'Allah pour l'avenir. Inch'Allah. Et puis, ben, big up mon nation, big up la Réunion. Toujours quand Marlboro commence son émission, c'est toujours le Réunionnais. Big up pour vous autres d'avoir soutenu à moi, plein de caf, tampons, Saint-Pierre, partout, tout le monde connaît à moi. Elle a dit, mais on fait plus de nouvelles émissions, non. Si Marlboro, il fait des nouvelles émissions. Mais comme me disait autres, moi, j'étais un petit peu en thérapie, en stand-by, ben, nous revient aujourd'hui. Ben, voilà. Vous êtes connus avec Marlboro, vous êtes un faisant politique comme ça, parce qu'il quand même commence à causer le gars qui a arrêté. Nous ne connaissons pas, mais là, nous commençons à connaître. Là, on commence à connaître, parce qu'il y a dit qu'on commence à mettre les caméras devant lui, là. Hein. Ah, ben, il y arrête plus, il y arrête plus. Vous connaissez pourquoi? Parce qu'il ben, il y a fréquent à moi. Voilà. Mais non. Mais ça, c'est un Malbar qui a poisson longue dans la poche. Et comme moi, on n'a jamais une poche, nous ne pouvons pas avoir la langue dans la poche. Et voilà. Bon, alors on fait la cuisine, alors, les bons. Alors, on fait la cuisine, hein. On va avoir un petit coup de cuisine aujourd'hui. Mais bon, alors, ok. Il a fait commencer, Et Julie, comment elle est? Coucou, ça va? Bonsoir à tout le monde. Vous êtes bien maquillée aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Ah, ben merci, c'est gentil. Bien éclairé aussi. Voilà. Elle dit merci François, la mettre la lumière sur vous. François qui conseille à nous très bien pour les plans, etc. Donc, voilà. Voilà. On a un beau profil aujourd'hui. Voilà. Emile n'est pas tout seul. Il est avec Coco. Ouais. Demande un petit coup, Coco, c'est quoi le nom de ce t-shirt là? Parce qu'elle n'a le Coco. Loup. Alors, l'autre fois, nous l'étions avec Black Panther et aujourd'hui, nous sommes bêtes à un petit peu parce que nous avons deux petits bulldogs. Mais moi, j'aime les animaux. Voilà. J'aime les animaux. Voilà. Voilà. Fais un bisou, Izzy. Un petit coucou à Izzy. Elle est trop facile. Non. Voilà. Bon, alors, Julien, qu'on s'en a aujourd'hui là, alors, ce soir, nous avons un invité spécial que depuis longtemps, nous ne l'avons pas vu. Oui. Marlboro. Marlboro et ses amis. C'est Marlboro. Ouais. Mais avant, présente Monsieur Marlboro. Mais crois que Julie, il faudrait vous présenter un petit peu les invités de la télé, Monsieur Éric avec Florence. Bien sûr. Alors, c'est aussi notre bonnes invités à nous, hein. Oui. Éric et Florence. Alors, ils ont les plus des inconnus maintenant. Ah, nous les très connus. En tout cas, mes remercie Julie, François, toute l'équipe de Canal Austral. Et midi, un petit big up à mes amis de la salle, enfin, midi pas quelle salle, ça va reconnaître Azot, big up Azot. Parce qu'il y a où fait sport. Ouais. Fait sport, moi. Hein, on lève le poids. Ben voilà, c'est ça. Voilà. On fait ça au Julie. Julie, refais un petit coup là. Pizza. Comme ça, vous l'avez comment Julie fait ça. Ouais. Il parlé hier. Il va bien s'entendre. Avec Créole, quand il dit, il lève le poids à la Marlboro, c'est le dire. Nana, il lève le poids comme ça. Hop. Me présente, c'est mon cher ami. Je l'ai rencontré, ce type-là. À cause de ce français ou là? Non, ça, c'est pas Julie. Dans les calculs, mes oreilles. Mais laisse à l'IOT, les présentations en français. Non, mais là, on dit Yab. Ça, c'est un bâton aux oreilles. D'accord. Oui, et c'est un monsieur. Non, s'il s'appelle François, Monsieur Payette François, c'est un type génial. Moi, quand je ne le vois pas une demi-journée, mais qu'est-ce que je me fais chier, merde! Formidable! Et puis, Nena, mon petit voisin, Bélina, même âge, mon enfant, il peut être mon garçon, celle-là. Cyril, nous fait du sport avec.
Et non, parce que c'était les sport ou Ouais. Il fallait voir être tout dans les bars montants. Voilà. Non, mais là-haut, il fait le sport pourquoi nous n'allons aller à le meilleur l'air de la France. Là-haut, c'est à peine les cafés. Voilà, l'endroit le moins pollué. Nous n'avons des jolis coins, nous n'avons pas quoi de santé, mais invite tout le monde de venir. Les extraordinaires forêts de marin. Attends, là, il faut ouvrir là-haut. Voilà. Là, à sportif, là. Il y a les besoins d'afficher un numéro de téléphone, ça pour camarader. Et après. Moi, mon ami Brice aussi, c'est maman et qu'il aime aussi beaucoup. Les super bons maman. C'est mon voisin en face. C'est mon voisin d'en face. Il lève, il voit, il dort, il voit. Et quand maintenant, il voit pas moins grand matin, il vient ni casse la cage, il prend moi le bord dedans. Là, on vient de dire, il est pas. Voilà, attendez dans un an, on va voir. Vous devez plus voir, lui. Ça va même dire, il commence déjà à battre. Il lève le matin, il chante, il dort, il chante. Mais non, mais il pas. Il gagne pas défendre un coq chanté. Oui, voilà. Voilà. Et puis maintenant mon camarade Didier aussi, le cousin de... Didier aussi a peine des cafes alors. Il est un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, bras creux. Tampon, il reste tamponné quand même. Voilà. Dans le bon léa, dans le bon affaire. Ouais. Et en même temps, ben... Quand on passe à côté d'un phénomène comme ça, il n'est pas dit ou arrête pas, ouais. Donc voilà, ben, bien content de d'être là avec lui et de côtoyer tous les jours. Quoi. D'accord. Et quand il habite plein des CAF là, ou habite dans la commune du Tampon, hein, et les gens qui habitent dans le Tampon, ils faisaient des commandes. Mais des tamponnés, des tamponnaises. Ah bon, mais sûrement ils font. Sûrement ils font. Des tamponnaises, comme ça, tamponnaises. Non, mais là-bas, quand on marche, il faut faire attention. Tamponnaises, l'auto-tamponnaise. Et des fois, là-bas, on battait avec jolie fille, on dit excuse-toi, mais bon, là, elle est comme ça. La vigne est arrivée. Voilà. Et madame, il regarde à nous. Non, mais chérie, t'inquiète pas, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. En public. En public, mais non, mais attends. Mais comme Miro dit, moi, là, quitte-moi, madame, un petit peu de temps pour reprendre du recul, pour réfléchir, pour remettre un peu le plomb dans la tête. Allez, ouais. Mais moi, j'essaye de trouver une parodie spécialement, mais la pointe des communs. Vous comprenez ? Madame Dali, la dame la doit son cœur. Mais ça, c'est mon madame. Vous comprenez ? La pointe des naines même, c'est toi, Liliane. Je t'aime, ma chérie. Voilà. Déclaration d'amour en direct sur Canal Austral, hein. Et oui, déclaration, il remplit pas le ventre. Non, là, nous sommes. Même si, au cas, Liliane, nous écoute à nous, il y a, hein. Oui. Bon, hein, nous va passer peut-être un petit peu à autre chose, à ce que nous sommes mangés. Ok, ben, je te présente le curry, alors. Les bons. Alors, là, nous n'aurons. Le lapin, c'est un mec. Mon Julien, un petit coup, c'est quoi ça, là? Ça, c'est le... Pourquoi tu ris, hein? Pourquoi tu ris? Lapin, lapin, lapine. Lapin, lapine, les entrailles. Ça, c'est le petit bébé. Ça, c'est les entrailles. Mais là, le curry lapin, ça va être un peu spécial. C'est qu'un coup, la case, ça, gros yabla. Et il dit à moi, l'ina lapin. Le midi, il m'en a pomme de terre. Après, il dit à moi, l'ina haricot vert. Comment nous ça fait? Il me dit, ben allons, invente un curry. Donc nous l'invente un curry, nous délit. Et à soir, ben il me dit, pourquoi pas amener ça à Canal Austral? Ou ça m'y permet ça à un autre endroit que Canal Austral. Bien sûr. Donc et ce soir, ça va être lapin. Lapin, pomme de terre, haricot vert. Pomme de terre, haricot vert. Voilà. Et après, on aura mon ami ici qui va procéder un bon petit babafik, saucisse fumée. Les acheter là, la plaine des CAF même, les filer la plaine des CAF même. Et on est du bio, après, quoi. Si c'est la première fois qu'il fait, mais il devait faire un petit pot poireau, il n'a pas voulu. Il devait faire un. Mais non, mais ça, c'est des oreilles, ça. Ah bon, mais ça, c'est des oreilles, ça, c'est de mon dehors. Un petit rougail, ceci, ce petit pois mange tout, mais après. Pois mange tout, mais après. C'est pas la saison. Mais non, il mange toute la vie. Voilà. Alors, il y a Babafig. Nous savons que les Babafig, là, où viennent. Viens couper la même, hein. Viens couper, viens tremper, et Nawas, s'il n'est pas amer quand on va manger, t'as l'air. Normalement, il dit qu'il faut tremper la veille. Après, ben, c'est pour une bonne grande monnaie, il dit, hein. Nous l'avons après. Mais bon, et Malabi, on va couper les très très fins. Nous faisons comme ça, enfin, la plaine des cafés. La plaine des cafés, c'est comme ça. La plaine des cafés, les gars.
Et bon, voilà, ben bon, ça, okay, oui, ça. Et comme les épices, là, vous avez besoin de quoi? Ma vie, on a tomates, on a oignons, on a de l'ail, gingembre, on a de sel. Mais ma pas vu poivre, parce qu'il ne met pas poivre dans le carré. Si, il met du poivre. Si, il met du poivre. D'accord, d'accord. Le thym aussi, tout ça, tout ça. Et mais précise, il y aura une petite pomme de terre haricot vert pour mon cher ami. Lui, il est un végétarien. Il mange pas de viande. Il a fait un parc sans fond. Voilà. Il met tous les jours, il décale son parc. Il décale, il fait mes yeux. Il n'a pas besoin de taille gazon. Donc, sur le lapin, il a une gazon. Des bio, des écolos. Voilà. Attention, mais le lapin, à un moment donné, il appelle le canard, t'es noir. Son chien, la veille, il n'était pas là, tout chez le canard, le lapin mangeait. Deuxième. Et là, je te parle ça côté Coco qui aime les animaux. D'ailleurs, Coco, il aime les animaux, hein? Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Il fait pas mal un petit peu le cœur quand il tient la lapin. Honorablement. Exactement. Parce que pour moi, vous êtes un exemple de maire à la Réunion. Et bien là, son garçon. Quand ça quand ça, nous la vie, un maire, il sort son imperméable, aller dans un trou en plein cyclone, à part que M. Tianakoun. Mais le parc est pour ça. Parce qu'il y a 6 mois, on allait là-haut. C'est une ville merveilleuse, occupée, propre, mais par contre, un petit message lui envoie aussi pour bande de monde un peu plein. Peut-être pas de monde plein de cap aussi. T'es prends un petit peu soin de nos petits quartiers, on est là-bas. Les jolis, les gaillards, zèdent pas toutes affaires. Des fois, mi fait vélo, mi roule, mi va dans tes affaires. Quand nous habitons plein de caves comme ça, on a un seul affaire, nous avons gardé. Comme l'idée, parce que la fille bombait l'endroit comme ça, les gars. On a quelqu'un là, là-haut, là, tampon Villefleury. Bien entretenu, bien nettoyé. Tout les fait comme il faut. Même les tamponnés, ils aiment bien plantes de petites fleurs, prendre tout ça. Non, les balades, ils adorent ça. Et là, qu'est-ce qu'on a pilé où là? De l'ail, gingembre, avec un petit peu de sel, comme la tradition le veut, comme ils ont dit. Non, mais la tradition, c'est de savoir c'est quoi le filon, c'est quoi le calou ici, comment on fait le sang. Aïe, attendez, ça là. Ça m'a pour tu rentres bon la rivière vers Saint-Benoît, on taille un petit peu des oreilles, bon, ça fait comme ça. Un petit galet m'a trouvé, et puis même, on a croisé un petit peu, et puis voilà, un calou. Vous ferez trop, monsieur Tienakoun. Ah bon, ben ouais, on écoutez, pas moi. Vous politicien, là. Tu vois, j'ai mis mort. Je trouvais qui est si. Ouais, on m'a trouvé avec Malo. Hein. Voilà, voilà. Hein. Et puis donc, ça, tu tiens dans la main, c'est quoi? Et puis c'est quel le calou et c'est quel le pilon? Ça, c'est le pilon. Ouais. Et ça, c'est le calou. D'accord. Alors. Non, non. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ça, ça me donne. Eh, j'ai un petit coup là. Ben. Ça, c'est le calou. On est où? Avant, il garde canal le Stral tout le temps. Alors, le calou. Ben, ça, le calou, le cal. Ça, le pilon, le pile. Voilà. Voilà. C'est ça là que vous voulez dire. Calou, pilon. Calou, pilon. Ils ont des hein. Ah ben ici. Mais ça m'y connaît. Quand vous savez chercher un monitaï, un quoi pour vous? Italien. Pilon. 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 Alors c'est lequel le pilon alors? Et quand on aime boire la mer comme dit Marie, c'est bon hein? Calou. Le pilon c'est ça? Non mais toi. Ça, mais le monitaï.
le bougitaï et le pilon. Le bougitaï et le pilon. Voilà. Donc c'est ça le pilon alors. Voilà. Oui. Ben voilà. Là, c'est le calou. Là, on complique. Ça, c'est le calou. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais François, en fait, non. Le calou, en créole. Ouais. Ça, c'est pilon, parce que c'est tailleur de pilon. Oui. Où ça rend un moultaille de pilon pour. Donc, du coup, ben, où ça borde bien pour un calou. Oui, mais voilà. Ça, avait raison. Parce que depuis ton petit, tu as envoyé un calou. Mais en français, on garde un petit cuisse volaille, là. Il appelle ça un pilon. Ouais. Les autres, ils appellent ça un pilon. Mais parce qu'elle est en français. Pires, après, tu choisis ton camp, camarade. Soit tu causes en français, soit tu causes en créole. François. Alors, nous, ça cause en tamoul. En tamoul, c'est. Comment il appelle ami et quoi? Non, mais le tamoul, là, hein, parce qu'en fait, quand il arrive à la Réunion, là, hein, c'est un prof de tamoul, là, c'est moi ça. Hein, c'est que Nena, le kalou, que les autres appellent kaloum, qui veut dire une pierre. Et c'est pour ça que longtemps, la Réunion, tu dis, mais t'es un caldé, il y a la roue au camion. C'est exact. Une pierre, c'est un galet. C'est un galet. Hein? Et pilon, ça, tu fais ça. Pilum, c'est-à-dire c'est une grotte. C'est-à-dire c'est un trou dans une montagne. Voilà. Alors, est-ce que. Non, mais c'est en fonction de tout ça. Mais ouais. Calou et pilon, si tu veux le côté malbar de la chose, ouais. Quand on arrive ici, il avait plein ça, les autres affaires roulent. Ouais, ouais. Ça arrive à plus alors. Ça, n'est plus africain, ça. Ah ouais. Plus côté par ici. Bon, ouais. Peut-être en. On aime aussi, avoir, aussi. Ouais, hein, ouais, ouais. Avec la mondialisation, comme il dit. Et peut-être. Puis même, s'ils avaient besoin, ils auraient du fait. Ouais. Mais si vous voulez, on regarde comment il fait Massalé. Il roule, ouais. L'ami. Il roule un voilà. Vous ouais. Connaissez le nom. Mais connais-moi. Comment il appelle? Il appelle l'ami parce que. Donc, c'est l'ami de l'homme, c'est qui? C'est pas le chien. C'est le pilote, le calou. Voilà. Tu mets le mamie, tu fais, c'est quoi le nom de mamie de l'homme? Quand tu fais bouillir de saucisse là alors ouais, hein? Ça c'est saucisse fumée ça. Geste obligatoire pour le saucisse. Ah. Sans ça, il n'y a pas moins de saucisse. Il n'y a pas. Ça il fait bien, ça il fait pas. Ouais, ouais. Ça arrive à où? Le lapin à la ronde, moi, elle a coupé mon doigt. Ah, là, là. Ça commence, coupe le lapin. Ben, elle coupe mon doigt, moi, elle a dit qu'elle n'arrive pas à passer la gueule. Ça, c'est l'émotion, ça, hein. Ben. Voilà, ben, hein, le fait d'être ici sur Canal Austral, là, là. Un petit souvenir. Un petit souvenir, les bons jardins. Ça est plus important qu'une photo, ça, non? Ben. Parce que ça a vigade, regarde ça. Ça, là, il reste gravé, il n'allait. Ouais, le photo, ça, vous vous l'album, vous regardez dedans, puis on revient dans le jardin, vous regardez dedans. Ben, après, des fois, il paye aussi. Après, il paye, ben. Là, on perdra pas, lui, ou là? Ben, là, il reste la cicatrice. À vie. Ah oui. Bon, mais Mila, ça recoupe le lapin alors. Hein? Et le lapin coupe gros comme petit ça? Assez gros. Assez gros. Ouais. Hein, parce que le lapin, ça coupe les os, après les os éclites. Et puis après, il n'est pas bon quand il passe dans la bouche. Hein? Mais vite, voilà. Trop éclite, oui. Voilà. Mais bon, Mila, ça recoupe Maratia ou de machin. Fais attention à couper encore de main par-dessous. Hein? Ben, ah ouais. Parce qu'après, il n'aura plus rien. Deux souvenirs, pas bon. Un est bon. Un assez pour l'instant. Un assez pour l'instant. Prochain, pas d'affaire. Mais bon, alors, ok. Alors ça va, il avance. Oui, il avance. Là, ouais. On a déjà fait le l'ail. Oui. Parce que là. À cause de mon là-haut, il ne pile pas l'ail. Il coupe un petit morceau. Non, mais normalement, là, c'est comme ça, il fait l'ail. Parce que tout le monde, il crase l'ail. Mm. Et après, là, au pire, mais là, là, tandis qu'il colle comme ça, là, il dégage sa saveur jusqu'à la fin. Ah bon? Vous comprenez, là? Parce que quand on crase l'ail ou roussie l'ail, tout son arôme, ça va. Ah bon? Et tandis que là, là, même roussie l'ail, il brûle un peu. Il dégage, mais fur et à mesure au cuit, l'arôme il reste dans le. Et puis là, il est très bon pour la santé, consomme à lui comme ça, il est beaucoup mieux. Il paraît que normalement, on aurait mangé un gousse d'ail tous les matins. Oui. Mais bon, oui. Après, là, il ne faut pas ça respirer devant trop de monde. Hein? Non, on respire en cachette. Donc, on travaille après. Voilà, exactement. Voilà. Là, on a toutes les bonnes épices, là, mais oui. Donc, on a l'ail. On a l'ail. On a les oignons qu'on a fini de couper, on a les tomates. Là, on a un petit peu de gingembre là, voilà. Les pommes de terre, et puis les oignons, les haricots verts. Alors, les haricots verts, tu nous dis bien, ben, bon, de bon, la goutte, garde nous là. Ils mangent pas ça. Mais non, les haricots verts, oui, c'est pas de chouchou. Mais les haricots verts aussi, non? L'exagération. 20 ans, mais dans la goutte. C'est plus 20 ans. Maintenant, ma pire. Si on mange tous les jours, peut-être, mais il faut attendre, mais jamais. Il faut attendre, alors. Ça, les combien de boucles, ils boivent un coup par jour. Allez, pas ça, il fait rien d'alcoolique. Mais on boit pas, on peut dire ça, ou? Non, moi, je bois pas, merci Seigneur, Inch'Allah, merci. C'est la seule chose que moi, je suis content, mon patron. Ouais. Et ça, tu bois avec modération, s'il te plaît. Bois avec modération, amène à l'exode. Voilà. Et puis, ben voilà, il ne demande pas lui son avis, ou amène à l'exode. Amène à l'exode. Voilà. Bon, mais il laisse ça au fini. Ok, mais il prend toutes les épices, hein. Ben, mirage mon tomate. Ah, mirage tomate comme chinois, moi. Tomate.
tu écoutes bien. Ben, la roupa salie. La roupa salie. Ben, là, bon petit carré, comment là. Oui, que ma chère amie. Oui, Florence. Donc, ça, voilà. Oui. Donc, alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Florence? Pas moi, il paraît que Gaoué, l'annonce pour passer. Ah, ben, ma passe après. Les bons, passe après. Voilà. Les bons, passe après. Alors, hein, les bons. Alors comme ça, tu connais que ça sans manger, il paraît que Nain, on ne mange pas lapin. Ah non, mange lapin, ouais. Je dis, mange lapin. Ben oui, bien sûr. Mais, bon. ma fille mange aussi. Et lapin, il mange avec, avec la peau ou sans la peau? Sans. Sans la peau, mais imagine un jour si au lieu de enlève la peau dessus, parce que quand elle enlève la peau dessus, elle est pas trop jolie. Non. D'accord, donc au regard esthétique, moi c'est au goût, hein, personnellement, si c'est très bon, ça me gêne pas. Mais bon, est-ce que toi tu connais le lapin chasseur? Le lapin chasseur, alors vas-y. Un lapin chasseur, c'est un plat. Ouais. Hein, voilà, un lapin sachant sacher doit savoir sacher son fusil. Ouais, mais t'es sûr de ça sort ce matin, un lapin a tué un chasseur. Tu connais? Oui, hein? La chanson. Oui. Chantal Goyard, est-ce que tu connais Chantal Goyard? Bien sûr. Hein? Et avec tout ça, nous mangeons quoi, lapin? Toujours. Ah bon? Ah, tu manges du porc, tu manges du poulet, on mange de tout, on mange du lapin aussi. Ah, d'accord. Alors, Florence, vous avez un petit message à passer aux bonnes camarades? Petit coucou, un petit big up. Toujours avoir une devant la caméra. Ah non, personne. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Au moins, elle est claire. Non, pas vrai. Mon bon maramaï la case, toute mon famille, cette côté Eric, les côtés les miennes. Voilà. On a big up. Et les autres? Pas vrai, plaisante. Non, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, mais bon. Il n'y a pas personne. Ok, alors, Julie, c'est un petit message passé. Mais bien sûr, mais fais un gros bisou à tout le monde. Oui. Et un gros bisou ben, à tous mes amis, à tous les gens qui connaissent moi. Mais fais de gros bisous et merci pour votre gentil petit mot. Merci pour votre charmante attention. Et voilà, quoi. Ben, maman, elle continue comme ça. Les bons. Voilà. Hein. Et bon. On vous aime fort. Et nous faisons de gros bisous. À défaut de lapin, si nous mangeons un petit rougail saucisse au baba figue. Ah, bah, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Vous devez savoir bana comment il cuisine. Eric, il fait ça. Eric, il fait tout ça. Ah, si. Ça, bien pour un ananas gros piment. Il fait ça pour moi. À chaque fois, il me dit, Rod, mais il veut, moi. Mais bon, la prochaine fois, il vient cuisiner ici. Mais bon, vas-y. Ok, ben ça va, ben non, moi avant, il connaît plus comment il faut faire là, hein. Parce qu'un instant après, là, hein, va sortir des étapes et de bon après, il va commencer à dire moi comme ça. Pourquoi la sorte des étapes, vous n'avez pas connu comment il fait. Mais bon. Dans ce cas, on va suivre les étapes. Allez, bon, on suit les étapes. Bon, vous êtes arrivé, il a fini, il est bon là. Écoutez, saucisse, cibouille. Mais là, moi, maintenant, de façon, on fait saucisse là. Là, maintenant, la mise à mettre là-bas. Nous coupe la saucisse. Oui. Et après, nous remet à bouillir à 5 minutes. Encore? Oui. Ah bon, d'accord. Oui, le meilleur. Parce que la viande de cochon, comme il dit, c'est là. Merci, tu vois, non, mais en fait, la Marlboro, il était ça. Juste soulève la marmite avec ça. Je ne connais pas ses attirants d'autres comptes, mais avec un feu qui est aussi fort que ça, comment la pour fumer la marmite. Ou lève avec un petit affaire comme ça qu'on met au-dessus. Ben, excusez-moi, mon sacré mon doigt, quoi. Hein. Non, la fine ronde Marlboro. Côte des créoles ou là Ah, t'es ben, bien sûr, t'es. C'est arrivé donc. Alors, ma cause un peu plus française. Qu'on fréquente le monde dans les hauts causes créoles. Voilà, mais ils ne chantent pas. Ils ne chantent pas. Ils ne chantent pas. Ben, ils chantent, hein. Oui, ben, ils chantent. Mais c'est bon mot. C'est bon mot. Là, du monde, les hauts ne mélangent pas. Mais les bien chers qui ne mélangent pas. Mais voilà la saucisse, là. Elle est bien cuite, la saucisse, là. Ouais. Elle est bien rosie. C'est mal garce, non? Écoutez. C'est quoi? Malgache, il commence pas comme ça, hein. Malgache, ça se pas comme ça, hein. Jean-Claude, attention, hein. Jean-Claude, hein. Ouais. Jean-Claude, oui. Ouais. Fais un petit coucou à notre chère et tendre Sandria. Ah oui, Sandria. Gros bisous à toi. Et à toute une bonne camarade aussi. Sandria, il appelle moi Jean-Claude. Il appelle où, comment? Jean-Claude, Zili. Zili. Bisous, Sandria. Alors là, ça va, les bons sorties. Là, les bons, mais ça va. Pourquoi il fait bouillir un petit peu ouais. Parce que, comme moi, tout le temps, ben, il y a ces histoires, la graisse, la viande grasse, tout ça, là. Comme ça, la viande pauvre, il y a beaucoup de dioxines, n'est pas très bon. Souvent, le monde, il y a la goutte, c'est peut-être parce qu'il ne fait pas bien bouillir la viande avant. Bon, d'accord, alors, hein. Le bis, c'est bien. Donc, pendant 20 ans, malgré la goutte, là, c'est parce qu'il ne m'a pas fait bouillir la viande. Bien fait bouillir. Ouais, mais comme il y en a de monde, on fait un carré, il n'a pas de cochon. Ouais. Si il n'a pas de cochon, c'est que vous voulez. M'y connaît si un monde n'a fait bouillir son pas de cochon avant ou bien pas. Hein. Ah oui. Mais cochon, de toute façon, pas de bouillir. Hein. Oui, monsieur, toi, il n'a pas de cochon.
Parce que tous les haricots faits, il faut faire bouillir la viande cochon, voilà. Parce qu'il dit au cochon, c'est pas une viande. Mais trop de dioxine. Voilà, il y a. Mmh. Voilà. Mais cochon longtemps, t'es sale. Cochon comme là, et puis sale. Non, mais cochon long. Cochon comme là, est plus propre qu'un moon des fois. Non, mais le cochon avant. Ça ne plaisera pas, nous l'avons dans. Ben là, il peut être bio, il peut être bio, il peut être insectisé, il peut être toute une viande porcine doit être bouillie. Avant. Ou la prendre dans les barres, la prendre française, c'est-à-dire. Ah, ben voilà. Mais bon, voilà. Il doit être bouillie. Une bonne fois. Non, mais avant. Avant même le cochon, là, t'es sale la réunion là. Mes cochons, t'es ils mangent bois figue, t'es ils mangent conflore, t'es ils mangent le reste mangé, de monde n'a pas mangé. Mais comme là, on est dans la qualité de cochon, ça les propre, ils nettoient, ça ils lavent, ça ils donnent ça à manger. Vous avez ça, les petits gars qui étaient piqués, rien de chimique, hormones. On n'a pas connaître brosse les qui consomment avec un brosse longtemps. À moi, avec cochon, t'es envoyé à moi, brosse le cochon pour que le cochon devienne rose. Hein. Tiens, toute la boue dessus, mais à connaître, brosse le cochon. Hein, le petit cochon, on peut dire ça, mon camarade là-bas. Qui l'est là, François? Viens, François, un petit coup. François, il paraît qu'il brosse. Non. François, viens où là? François, c'est écrit protecteur des animaux. Mais écoute, alors, on connaît mon grand-mère longtemps, là, t'es dit qu'elle était toute affaire. Hein. Son papa il a envoyé à lui à la boutique, je ne citerai pas de nom. Ouais, mon petit boulet là. Son papa t'a dit à lui, allez acheter des œufs chinois. Mais tout le temps, là-bas, il demande le chinois. Non, moi, des œufs chinois. Trois œufs chinois. Trois œufs chinois. Le chinois, il trappe le œuf, il donne à lui. Il trappe le œuf, il donne à lui. Et je lui arrive, c'est pas chinois là, son madame là, tout le monde le dos. C'est pas, il était maliné la veille, il est pas trop belle, hein, yab, on est là-bas. Quand il est arrivé, il a dit, donne-moi trois œufs chinois. Il dit, œufs chinois, papa, où ça? Ça, œufs, papa, où ça? Et il ne faut pas, il ne dit pas qui ça, il est mon. Non. Notre canal est noir, c'est lui qui dit qui ça, il est là. Ah ouais, mais ça, il est présent. Dis pas où c'est, il est. Non, c'est pour moi. Mais bon, après tout, il ne faut pas caricaturer. Jamais, hein? Non. Ben, nous adorons la communauté chinoise et d'ailleurs gros bisous à tous mes amis chinois. Ben oui. Tu es grand camarade chinois. Oh. T'es ben chinois mal, bah tout est. Ben, voilà. Les arabes, créoles, yab, hein, voilà. Les bons tout... alors. Voilà. Okay, alors. Mais enlève, moi j'ai encore. Bon, enlève alors, les bons, allez, on l'a enlevé. Mais ça coupe mon saucisse, enfin pas mon saucisse. Mais ça coupe saucisse. Ça coupe saucisse, nous avons bien compris. Voilà. Qui ça l'a fait, qui ça l'a fait, qui ça l'a dit, qui ça l'a fait. Allez, bien, j'en arrive encore, guette ça, Jean-Claude. Mais bon, la fille coupée alors, hein. Ah, ah ouais, oula, va aller bien être. Voilà. Là, nous avons comme ça, ça remettait quand même. Ouais, chaud d'aller, encore une petite saignée. Ah bon? Comme ça, parce qu'elle est bien salée, tu comprends? Ouais. Et. Non, mais pas toute la viande, il fait ça, hein, mais la viande porc, c'est tout. Ouais. Tu comprends, mais. Parce que moi la vie avec un sportif, tout ça là. Mais trop de viande cochon, pas bon pour un bout quitter le sport. Ouais. Non, mais la viande cochon, tu manges pas trop souvent ça. Non, m'aime pas aller ici, m'aime. Mais tous les jours, non. Mais moi pendant 20 ans, on m'a pas mangé, il m'avait la goutte. Maintenant, il mange. Okay. Un bon pâte cochon, là, t'es m'aime ça. Hein? Ah oui. Jarret, m'aime bien, parce qu'il y a de la viande maigre dedans. Ok, mais dans les hauts, ben, ils vont jarret séparé avec la pâte. Ah ben oui. Ben. Et... Dans les bas, ils vendent pas ça. Ah, moi, jamais trop vu, moi. Ah, mais acheté jarret séparé avec la pâte, moi. Là, on a que des petites boucheries, petits charcuteries, ben, petites affaires. Ok, la canne des cafés, là. Oui, il est un petit peu plus cher, mais cochon, il fait. Ben oui. Les comptes. Ça, l'essence monte là-haut. Voilà, on ne peut pas dire on rentre dans l'eau, la paix mouille aussi à un moment donné, on comprend. Et puis, ça fait vivre de monde. Ben, on a travaillé tous les matins, il lève dans la fraie, ça travaille. Mais où ça va pas sortir là-haut pour acheter un kilo de saucisse, c'est bien, ou de l'essence, ou le temps. Arrête de casser. Tu as l'essence, comment on a augmenté là? Voilà. Ah oui, l'État, là, pour déconner, là, en plus, il avait à donner fonctionner encore là, à Jean Bouzard Mier vivre. Mais comment est-ce, Mika, quoi, il fait lui? Non, mais dans ce gouvernement-là, le smicard, il travaille, il paye tout, il a fait du mois, il n'a pas l'argent, la fin de l'année, son enfant, il fait un cadeau. Le retraité, il a travaillé 30, 40 ans, un carocan, il a des 100, 300 euros. Et là, pour imaginer un fonctionnaire, ou un président, il faut fouer, ou des. Eh ben, il a dit qu'il ne fait pas politique, c'est qu'à la... Non, ce n'est pas la politique. Comme tu allais là, je parlais de M. Tienakoun, ce n'est pas la politique. Ouais. Voilà, parce que moi, j'estime que nous sommes des gens normaux. Ouais.
Quand nous voyons M. Tianakoun, tout ce qu'il fait, ben nous disons félicitations. C'est un maire qui fait son travail. Mais quand là, nous voyons... Il n'y a pas de politique là pour... Non. Mais eh, mais on mis ça vote pour lui, mais il y a plein de cas, M. Tianakoun, moi, gagné. Voilà. Là. Ah, ah oui, non, mettre ça dans le télé. Ça va dire beaucoup qu'on va appeler la politique là. Mais pas c'est ça là. Moi, je n'ai jamais voté. Vous avez votre vie? Je ne vote pas. Mais là, moi, là, trouvé un bouc comme ça. Pourquoi moi, jamais voté? Parce que moi, jamais viens, mais là, il fait son travail. Mais là, comme moi, là, viens un bouc, il fait vraiment son travail. Mais pour vie qu'il reste là pour. T'es pas influencé par votre monde là-haut même, pour, pour voter, il faut avoir un bulletin de vote. Et là, il donne à où ça? Est-ce qu'il donne à où tout ça? Il donne des livres. Il donne des livres. Mais voilà, et pareil, non, il ne casse pas les couilles. Mais là, il faut rouvrir un coup les yeux. De si bonne salée à moyen, encourage les gars, allez travailler. Mais arrête de donner bon bougie gars gros encore plus. Donne un peu bon tien, un peu pour travailler aussi. Comment il fait son Claude? Oui. Tu comprends? Équilibre. Et sur le français moyen, il a toujours été. Il a toujours gagné le bel. Toujours été mal loti. Voilà. Et puis il taxe à nous, il taxe ici, il taxe à nous. Ou payer un loyer taxa, ou acheter un terrain taxa, ou vendre un terrain. Mais il est incroyable, Misabro. Ou les Français. Hein, Français, si pas bien dans le cœur créole, dans le sang créole, et fier d'être créole d'un jour, créole de tout. Ou content d'être français, non? Non, nous subit le français. Ok, parce que comme il dit à moi tout le temps, estimant ouais, t'es re français. Non, nous paye la nationalité française. Nous paye l'assurance, nous paye la case, nous paye de l'eau, nous paye l'électricité, nous paye tout Jean-Claude. Il revient cher d'être français? Il revient cher d'être français. Il revient chien. Il profite du com, il met le tir. Voilà. Vous savez, ça va aussi faire. Ils mettent pas rien. Bon, Malmoro, nous les Français. Oui, on va dire. Nous les Français. Suis papier. Les bons. Mais à l'intérieur de nous, il y a un sang qui cause. C'est le Réunionnais, c'est le sang d'esclave, Malmoro, fier. Mais ici, on lève la France à côté de nous, qu'on devient. Ben, Jean-Claude. C'est l'avocat du diable, hein. Non, c'est pas l'avocat du diable, parce que le Réunionnais, on dit, j'ai au lit, on sort de pipe ou quoi. Parce que la manière, la Gatali, garde dans le temps longtemps comment Réunionnais était en Santali, Jean-Claude. Regarde l'île Maurice, comment Mauricien est en Santali, Jean-Claude. Regarde Madagascar, Thaïlande. Thaïlande, là-bas, maman, il a pas été là, quand il a pas été filmé, à Zamal, baiser à le Rome, si bon, chemin, Jean-Claude. Tout là-bas, ils travaillent. Et tout le monde est heureux. Mais le créole, nous l'a été trop assisté aussi. Et puis, voilà. À moi, qui gagne un message, mais retransmet pour moi. Retransmet pour moi. Ouais, mais transfert. Mais aujourd'hui, mais regarde la France, ils payent le monde pour faire des enfants, pour gagner de l'argent. Ouais. Mais oui, mais pas dire moi quelque chose comme ça, c'est normal. On fait des enfants par amour. On dit, ma chérie, je t'aime, on va faire un petit bambino. Mais ton pas n'est pas en route à haut. Voilà, non, moi, elle est trop vieux, ma fille, donne pas tant de moi. Ah, où le bon encore, là? Mais il veut dire, paye de monde pour faire des enfants, que l'éducation, on l'ait pas fait, que les enfants, on l'ait livré à eux même. N'y appelle pas ça. Vous voulez dire que les Thaïs contrôlent même les naissances de nos enfants? Ils contrôlent pas, justement. Parce que vous avez quoi, moi, 5 enfants, 5 papas, et un n'est blanc, un n'est noir. Moi, pas blanc, non, moi, pas noir. T'as pas moi, c'est mon histoire. Toi, tu es caviable, Malbeau. Moi, nation, mon front d'attente, Malbeau. Yes, ah, il a réunion, t'es Jean-Claude, il fait plaisir, mon frère. Ben, les bons, ben, alors, fais bouillir, moi, fais bouillir les saucisses, là. Hein? Saucisses, il bouille, deuxième ronde. Deuxième ronde, hein? Deuxième ronde. Ah. Dès qu'il bouille, il tire, il rince, il rouchit. Les bons, alors. Voilà. Là, pour la petite salle, il tourne, là. Non, non, mais nous rajoute une petite dégoût de salle. Ouais, ouais, c'est plus dans quoi on a là. Mais non, encore, la peau saucisse, c'est serré. Ah, les bons. Non, parce que là, il tient, mais diable, beaucoup aussi. Saucisse fumée, là. Il a une rétrécie de l'eau de largué, donc c'est puis c'est coincé dedans. Ah bon. On reprend, mais là, nous pas fait bouillir, méchamment non plus. Hein. Voilà. Ouais. Et ben là, on a fait deux feux à côté, là. Pourquoi deux feux là, hein? Bah, ouais, tu m'as remis. Ouais. Ouais. Pourquoi tu m'as remis comme il faut, les copines? Et là, il y a une vérité, ça sortit, Jean-Claude. Ouais. Malba, il y a l'hymne de feu. Il y a bien l'hymne de feu. Non, voilà, qu'elle chauffe mieux. Ah bon? Là. Ouais, mais là, parce que le premier feu, moi, lui-même. Ah, maman, elle met deuxième là. Mais bon, on a voir que ça chauffe mieux là. Ben. Mais là, ça fait qu'on voit un diable malba là. Ou elle met deux feux. Ben, après, on a voir qui mange aussi. Voilà, mais mille, là, ça vous marche premier. Bon. Non, ça, je sais, laisse ça. Laisse ça pour moi. Laisse ça pour mon frère. Ok, si tu prends tout, comment ça va rester à nous, malba? Attends, diable, vrai, la pâte talon, l'épée, comment ça va les péter? Attention, dans le géranium là-haut là. Quand il met dans la frère ou un talon là-dessous.
pièces, 1 euro et cachette dedans, il ne voit pas. Mais c'est travaillé, hein, mes respects, monsieur. Hein. C'est des bougues. Moi, là, que tu ailles de trois là-haut, mais c'est des durs. Hein. C'est des durs. Il baisse des roms aussi, hein. Ah oui, il baisse des roms. Avec ou sans modération, là. Ah, maintenant, il me dit, tu me dis. Même là-haut, on voit pas trop un bougie traîne si je mets les sous, tout ça là. On dit un bougie boit un casse, moi, il malaise. La forêt, là, il met ça à côté. Mais ça, il fait frais, hein. Regarde en Russie, là-bas, en russe. Il baisse votre tequila, votre. Ok, mais moi, les gars. Comme il dit, moi, votre. Comment il fait ça, là, la boisson en Russie, là, hein? Vodka. Vodka, pardon. Yes, ça. Vodka, mais hein. Ça, c'est mensonge. Vérité vivant. Mais habite plein de caves, les gars, les pas pour ça. Moi, je commence à boire le romain. Non. Ben, ou c'est peut-être l'exception qui confirme une règle que l'a toujours été là. Et moi, le pire, Marlboro, il vient d'arriver là-haut. Exactement, il va pas recommencer. Non, mais là, s'il vient bien rentrer, après, non, mais le pire, c'est qu'il lui entraîne à nous dans cette règle-là. Et ça, c'est très, très bien. Parce que là, boire des petits coups, c'est bien, c'est agréable. Non, mais c'est des bons enfants, tous ces gens. Non, mais c'est vrai. C'est des bons enfants, mais des fois, il faut râler. Écoute, ils nous ont réagi. Actuellement, on a un débat sur l'alcool en disant qu'on peut bien vivre sans boire. Exactement. Même à mon moment, tout le temps, ils disent, ben, si vous gay papa s'installe, soirée sans boire, c'est coulé pas bien. Mais c'était bon, ben non, on me dit boire des petits coups pour apprécier. Mais comme il gagne Marlboro, lui, chant, lui, danse, lui, zappé, il est à l'aise, il ne boit pas. Il ne boit pas, Rita, hein. Rita, c'est son moment. Mais oui, mais moi, là, non, on n'a pas besoin. Et puis moi, comme il voit ben marmaille comme ça, des fois, quand il n'est pas dit, on peut demander, allez, mais j'étais là, pas bon. La baisin, quoi, en trop aujourd'hui. Demain, ben, Mitra, Bazot, nous ça courir, nous marche. C'est pas bon, mauvais maman. Franchement, c'est de travailler. À Bouga, il lève des heures de matin pour le travail. Ah bon, on travaille ça dans le là-haut. Je travaille dans le sud, ben, je suis camion, tu peux chauffer livreur. Ah, ouais. Il faut lève grand matin, ben, pour ravitailler un peu toute la Réunion, au niveau fruits, tout ça, tu vois. Ah bon, et, ouais, ben, bon ben, donc c'est le travail, il faut lève grand matin. Grand matin. Et puis pour la route, lève avec les embouteillages maintenant. Les embouteillages, c'est difficile. On espère qu'un jour, on va trouver un système pour améliorer tout ça, parce que. Il part d'un mauvais système. On a trop l'auto. Voilà. On rencontre qu'on a autant de voitures à La Réunion qu'on a autant de personnes ici à La Réunion. Exactement. Par exemple, on en a deux l'auto ben, pour une personne. Hein. Ouais. Comme Marlboro, lui, on a un l'auto. Moi, on a un l'auto. Cyril, on a un vélo. Moi, on a des vélos. Et voilà, donc. Ça commence à faire revenir le lapin. Donc ça commence à faire revenir le lapin ou là alors hein? Le fruit a un petit peu. Le fruit a un petit peu le lapin? Bah, ouais. Donne-y un petit peu la couleur. Ouais. Un petit peu. Bon, donne-y la couleur, après on y revient après. Mais écoutez, pause. Un petit peu. Tu vois, la couleur. Et je m'attrape la palette d'un poc. Mais votre moment, on l'a pas lu. Et mon pays de la peine des caves. Oui, moi, elle l'a fait. Et le foie, il mange pas la fin? Si, ben. Il mange alors? Ouais. Ça pareil comme dans les foies, voilà, il m'a tenu à la fin après. Voilà, mais si je suis à la fin, là j'ai cuit tranquille dessus. Ouais, ouais. Et il est pas mauvais. Pas mauvais? Ben. C'est bon, là, ok. Oui, tout arrivé. L'Asie fait que de Paris, il fait que de Paris, mais le riz, ça y fait donc. Ok, mais les fruits. Ah, Marlboro alors, Cyril. Il a du riz là-bas. À moins qu'il mette le riz au feu aujourd'hui. Mais bon, lui met le. Parce qu'on a raison, des fois, il camoufle le feu. Là, vous arrivez ici. Là, vous arrivez, il n'y a pas le temps, mais il est le riz. Merci, Coco. Ou le parti fait pense bonne laquée, il faut mettre de riz. Ah oui, ça ne mange pas riz pur. Ah oui, il ne faut pas manger riz pur. Il faut mettre un petit peu de riz au feu. Voilà. Voilà. Mais le grain n'a pas pensé.
Banane haricot vert. Ah oui, la haricot vert. Donc le grain soleil réunion, aujourd'hui la poêle. Aujourd'hui la poêle. Ah, ben elle est bonne alors. Ben, le grain soleil réunion, toujours là, hein, mais ah, aujourd'hui. Toujours là, toujours avec. Aussi bon. Oh, toujours aussi bon. Voilà. Mais bon alors, ok. Ma voix, ça a été bon. Et que ça arrive l'entourage 20 ans, alors que c'est à la fin. Un entourage 20 ans, de ça, c'est qu'on rien inventé, nous obligés à être trois. À deux. Parce que là, Ali, quand le pareil marche super, le bouguialine de paix marche pas dessus. On voit, mais pour moi, ni avant, c'est lui qui tourne. Ou avant, ni avant. Ni avant nos affaires. Mais. Là, il commence bien à rougir. Il faut suivre son petit affaire parce que. Il a un petit secret, une petite spécialité. Il met un peu de l'eau dans le pied. Soit en attendant de tirer de l'eau dans le carré. Allez, rajoute de l'eau. Allez, rajoute de l'eau. Dans la cuisson, la friture. C'est impressionnant. Malbro, prenez pas moi un bout qui travaille avec un sac en bandoulière. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac là donc. Julie, demandez pour que ça dans le sac là. La sac là. Non, on va pas faire. Un secret. Les pareils malbars, ils mettent un petit garrotis dedans. Ne montre pas ça. Montre pas nous. C'est suspect. C'est la surprise. Attends, Ah, le texte épice dans son sac alors. Hein, montre-nous un petit coup de sac là. Ouvert. T'as le moment, t'as le. Ah, d'accord, ok. Un crocodile dessus. Un feu mélangé, Yab Malba. Un feu mélangé. Voilà. Ah, d'accord. Il marche bien, il est joli, vraiment, hein. Là, oui. Là, ça doit faire. Julie, ça arrive, ça est mal barré, bien. Il est de là allumé. Ah, il a fait une fusion, alors. Il a fait la fusion avec. On a vu fusion de feu, comment il fait. Ah, oui, Marie, oui, nous. Il marche bien, hein. Ah, il marche bien. Ah, ouais. Là, graine de feu, même. Graine de feu. Ah, il faut. C'est une expression, ça, graine de feu, là. Non, mais. Ou même, elle n'est pas logique. Hein. Faut graine de feu, pour. Faut graine de feu. Elle m'habite comme un nom. Les bons, alors. Voilà, c'est ça lui fait. C'est voilà, ça une technique. Regarde ça. C'est quoi? Regarde son technique. Ça, c'est une autre technique. Là, on gagne un petit peu l'eau, vous découvrez le fond. Ça, l'eau, c'est bien, voilà. Nous, on fait ça, déglacer avec le biberon et la fève. Mais là, il faut déglacer à la fin, mais c'est pas un civet, mais il croit pas, non? Non, la mise grâce à lui rose bien, ouais. Parce que si on le coûte trop. Normalement, on déglace avec un petit peu d'oignon, un petit peu, je sais pas, un tomate. Lui, il baisse un petit peu de l'eau. D'accord. On va faire 10 pouces, il y a 10. Déglacé. Déglacé avec tomate, des oignons. Et dans ce cas-ci, on déglace avec quoi? Un petit peu d'eau. Hein. Un petit peu d'eau. Un petit peu de l'eau. Il lui fait ça souvent pendant la friture. Voilà, il faut prendre la couleur. Bien, il est là. Bon, Julie, nous avons la pain ici, hein? Nous l'avons mangé des lapins. On espère cette là sera bon. Maintenant, c'est pas le lapin qui c'est pas le lapin qui a tué le chasseur. C'est le chasseur qui a tué le lapin. N'est-ce pas? Lapin est dans la momie. Moi, lapin, c'est pas vraiment ma tasse de thé, moi, ça. Ouais. Ben. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il m'aime pas. Ah, c'est bon. Ah, moi, il m'aime beau car il a pas de cochon. Ah, ouais. Oui. Ça, oui. Hein? Mais là, celle-là, c'est pas les mêmes. Mais mon plat préféré, vous connaissez quoi? Hein? C'est un curry poulet au petit pois. Ah, ouais. Oui, oui. Curry poulet au petit pois. Ouais, bon. Voilà. La prochaine fois, on a fait la zèle porc. Eh, il n'existe pas lapin au petit pois? La zèle porc. La zèle porc. Ah bon là. Spécialité de Léo même ça. Ah ouais, voilà. La zèle porc. Voilà. Bah, ça me vient encore d'un coup là. Spécialité chinoise. Ah bon? Le bol rambier, c'est tout ça, c'est très bon. Il connaît, oui, il connaît même ça. Et on fait bien d'ailleurs le chop-suis chinois. Bah oui, il fait bien le chop-suis chinois. Ah, il fait bien aussi le carré créole, mais les carrés chinois, Jean-Claude, il fait très bien. Bah, vous connaissez pourquoi? Pourquoi? Parce que bah, passe ma jeunesse quand j'étais étudiant à travailler dans des restaurants chinois. Tout à fait. C'est normal, non? Mais quand on s'en fait un petit coup pour nous. Ah, mon fille, mon gars, mettez vos caméras, un petit peu la lumière tout à l'heure. Non, je vais faire. Hein? C'est moi qui vais faire. Fais quoi? Ou guide et moi m'y fais. C'est bon. C'est bon? D'accord. Okay. C'est bon. Bon, ben, c'est bon, là, ben, voilà. Et laisse Banna faire revenir sur tes lapins. C'est bon? Le pomme de terre dedans là, quand la mine rose de ma voilure a coulé à la changer. Parce que les pommes de terre, ils prennent le temps pour cuire, donc il faut s'en mettre à y avoir. Tu peux tailler un petit peu. Ouais, ouais.
Là, il prend la couleur. Hein. Il prend la couleur. Ah, allez, écoutez bien comment là. Jolie la viande. Ouais. Et le temps de dessin, c'est pas celui qui fait en même temps dedans, hein. Parce que comme ça, il absorbe bien dedans, Cyril. Eh, hey, vous respectez les consignes, là, Cyril, hein. Oui, pas de problème. Et Marlboro, là-haut, tu comment? Dis pomme de terre, bien pomme de terre. Pomme de terre. Pomme de terre. Ça, c'est pomme de terre. Pomme de terre. Pomme de terre, pleine, là-haut. Pleine des cafes. Vous connaissez ça, ou ben là, tu dis pomme de terre. Pomme de terre. Quoi, pas ça. Là, tu m'as fait manger un bocal pomme de terre, ou bien quoi, déjà. La série de Bayali, elle commence à croûter. Ça, même après, maintenant, ils traitent à nous des singes. Écoute, comment ça, tu causes aussi. Avant, la plainte des cafes, tu t'en poses, tu causes en chantant. En chantant. Ils ont des oignons, le l'ail et tout. L'ail, gingembre. L'ail, gingembre, ça fait un petit morceau là. Ah, vous pile pas, ouais. Non, ben là, pour me faire mijoter, là, c'est cuit doucement, l'or sur la robe. Et en morceaux, les meilleurs, les arômes, ils diffusent mieux. Cyril, les vrais ou pas vrais? Tout à fait. Ah, voilà. Et ben voilà. Là, c'est bien manipulé, comme tu peux, là, c'est bien, là. Allez, joli, attention, là. Allez, là. Ah, je ne connais pas si c'est trop bon, mais moi, on va essayer. Donc, vous regardez, tu m'as encore les gens, les fous. Voilà. Là, maintenant, ça tient bon, bas. Il n'a pas gardé n'importe qui. Mais vous, que dites Marlboro, il n'a pas gardé n'importe qui pour mener la situation. Non, on a choisi les plus fous. Les plus fous. Et le plus grand chanté. Non mais les jolis, hein, comme tu parles, les jolis. Hein. Là franchement, il promet bien là. Il promet bien là. Ah oui. La miwa. Et là, tu vas mettre là. La mis la chiroussie un petit peu. Hein. Après, mettre un petit peu de poivre, un petit peu de safran, un petit peu de cime. Et il ne faut pas rester fouillé là, c'est bien là. Sinon là, il brûle bien, c'est bien là. Tu peux me attraper. Comment l'on est-tu comme le dos? Non, hé, hey, les gars, dis qu'on se jette à soi. Il va naître comme mieux. Il faut assurer, les gars, mais les conseils, moi, j'ai un autre point. On va tout ça mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre, un petit peu de vétine, un petit peu de safran. C'est de vétine aussi, alors? Ben, on a une chimère. Ah, ben oui, mais waouh, notre vétine là. On a une chimère. Ah, mais bon, fois, tu fumes pas, c'est pour ça que je veux mieux pas fumer. Fumer-tu? Hein? Bah. Donc, ben, la pâte, tu fumes pas? Non, ben, la fume pas, là. Hein? Donc, vous êtes foiré, il y a les seins? Les nerfs, mon gars, là, les nerfs. Ça, c'est du bon foie. Sale, hein? Vitine. Sale chinois. Sale chinois. Voilà. Safran? Le petit garçon de Marlboro, chinois. Hein? Ben. Le garçon de Tiracoune et le garçon de Marlboro. Le garçon du garçon de Tiracoune. Mais en famille, ouais, il reste en famille. Allez, tac, tout ça. Tac. La tomate, hein? Là, il déglace. Là, le tomate, il dégomme. Mais est-ce qu'il y a des autres gars? J'ai respecté les promotions, nous réussissons. Ça allait bien. Mais chante, moi. C'est bizarre, moi. Oui, vous arrivez. Ben, il vient voir un peu la marmite, le contenu. Ah bon? Ben oui. Très bien, très bien. Belle couleur. Oui, oui, oui. Encore, nous mettons les haricots. Hein. Là, les haricots verts. Pomme de terre, c'est bien. Pomme de terre. Comment on dit Pomme de terre. Pomme de terre. Oui, pomme de terre. Et Parmentier, tu connais les où? Comment? Parmentier. Parmentier? Ouais. Ou entend quoi par là-haut? Parmentier. Tu n'es pas Parmentier? Je suppose que si. Hein? Alors, dis-moi tout sur le Parmentier. Parmentier sur le métier, le monsieur la même pomme de terre en France. Ah, Parmentier comment? Hein? En quel siècle? C'est pour ça qu'il dit que vous faites un... Et en quel siècle la pomme de terre a été emmenée en Europe alors? En 1650. En Europe ou en Amérique? En Europe. En Europe, en quelle année? Dans les 1650 à peu près. 1650? Oui, dès c'est pas plus loin que ça. Non, dès que les premiers bateaux là, commencent à faire ce qu'on appelle les trafics commerciaux entre pays, et notamment entre l'Asie au départ,
avec l'Europe. Et après, avec l'arrivée du Christophe Colomb, on a fait aussi des trafics après Christophe Colomb, après, tout à fait, en Amérique. Ça. Mais ça, c'est dans les années 1800, bien entendu. Mais non, parce que 1492 a découvert, donc c'est dans les années 1500 à monter. Ouais, mais là, c'était bataille, même avec les caravelles. Avec les Indiens. Un petit peu si à vous, c'est Et je dis, heureusement, Bernard n'est pas là, hein. Parce que si Bernard met un peu dedans, là, c'est pas bon, hein. De quoi? Mais il n'est pas obligé. Bernard met un peu cerveau dedans. Si, non, je dis, heureusement, Bernard n'est pas là, mais nous, on aime bien, nous. Nous, on aime bien, il donne le goût, hein. Voilà. Ouais, mais la cuisine n'est jamais arrêtée, hein. Ouais. Ah non. Par exemple, un carré comme ça, nous l'avons fait ça, mais ça n'est pas dans les actualités, on n'est pas encore dans le Petit Larousse, hein. Ouais. Ah non, nous allons revêter avec bientôt, là. Bah. De petits criatiens, pas beaucoup. La saucisson a un petit peu de couleur. Il y a pour la couleur, ça, là, aussi, alors. Pour le goût aussi. Pour le goût aussi. Après, là, c'est cuit tranquillement. Et après, quand il y a une goutte d'animal, c'est bon. Malgré tout, il connaît qui connaît que c'est bon. Ah oui, mais si on a fait ça à la case, mon nom. On ne te croit pas, moi, mais bon, on a goûté quand même. Marlboro, ben attends de mettre Joigno Il a pris un peu la pomme de terre, la surface comme ça, donc il n'est pas brûlé, il est carbonisé, regarde ça comment il est carbonisé là. Et c'est là, il a l'air mon cabri brûlé, mais il n'est pas grave. Mettre de l'huile direct pour déglacer, on va dire. Non, c'est fait trop frais, lui il vient, donc on met tant de l'huile, même mon petit oignon, direct. Il n'y a pas beaucoup d'épices dans le rouge, hein. Il est déjà très épicé le saucisse. Mettre un peu l'ail, gingembre, mettre le sel. L'ail, gingembre, le sel. Oh, il vient le petit pignon. Ça arrive, c'est mince. Becari. Ah bon, tu dis comment? Becari. Mon mémé avant t'a dit ça. Becari. Bonnes oreilles, comment il dit? Oh là là. Merde alors. Punaise aussi alors. Ah mais monsieur, ce matin, entendu la radio et il dit quand il était petit garçon, ben il était dit le jour où là, c'était à tablette chocolat. Tu peux ça? Tablette chocolat.
c'était un juron, ils disaient un juron créole quand même si ma maman était petite, ou pas, ils n'avaient pas le droit de jurer. Et à l'école, si les enseignants ou les surveillants t'entendent à jurer, ben, ils en auraient eu de gros soucis avec leurs parents. Donc, ils ont dit ce juron-là, tablette chocolat. Alors, est-ce que les véridiques ou pas? Elles ont te dire, moi. Aujourd'hui, mais... on est abrégé. Oui, mais c'est un monsieur qui l'a parlé ce matin à la radio, que les très, très écoutés. Et il y a dit que quand il était petit, tout le monde t'a dit non, ça, tablette chocolat. Ah, nous, t'es abrégé, moi, t'es déjà où? Non, mon professeur n'est pas abrégé, on est agrégé. Ah non, moi, t'es déjà au BOM. Que tu disais quoi? BOM. BOM. Ah, ouais. C'est belge ou de maman? Ah ouais! Ouais, B-O-M. Boum! Boum! Ah boum! Boum! On aurait dû dire boum! Et où la rajouté un peu de tomate, pas de mouillasse? Ah, oui, maintenant on fait boum l'autre côté là-bas! Oui, ou la poucause avec bon appétit? Ah! Voilà, mamie! Non, mais... Oudma, dès qu'il arrive, ouais. Acheter des tuyaux. Les saucisses ne veulent pas rester dans la marmite, hein. Ah bon? Père, ouais, regarde là, là, deux saucisses par là. Ah bon? Non, mais écoute, hein. Le rougail de saucisse, il avance très bien. En tout cas, c'est parfait. Ah, vous ne pas la haute saucisse là, 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 mon Dieu Seigneur. Je vais faire référence à un prof d'histoire. Quoi t'es dit le mot saucisse? C'est bien fou. Ça fond. Okay, ça fond. Ça fond pas bon un peu non. Pas bon un peu, un petit mais peu. Mais l'or quand même excessif. D'abord. Ah bon. Là-bas, je vais mettre le cuillère dedans pour. Pour déglacer le cuillère. Ah, vraiment. Il est propre. Hein. Voilà. Et là, tout y est. Après, le bon saucisse est déjà bien épicé. Ouais. On va mettre un petit peu de poivre, mais pas bon un peu non plus. Ouais, ouais. Et là maintenant, ah, à la fin, on rajoute le baba frites dedans. Voilà, nous mettons le baba frites, voilà. Et là, jusqu'au dernier grain, là, hein. Ah oui, ben, ça n'a pas bon peu, les rats en ce moment. Hein. Après, tu peux manger tout, ça n'a pas. Tu peux manger tout le dossier, point. La pointe, la salivée. Hein. Voilà. Bien. Et là, où on a une saucisse fumée au baba frites. Voilà, exactement. Et on laisse ça venir un petit peu là. Ça bien normalement, ils mettent plus de l'eau dedans. Vas-y, bon grand monde, ils mettent plus de l'eau dedans. Ils laissent ça bien croûter. Mais moi, mieux, on met un petit peu de l'eau dedans comme l'ours. Des glaces toujours aussi. Ah, ben, ils mettent un petit peu de l'eau dedans. C'est joli. Faut reconnaître. Hein. C'est joli. Et à soi, les risques à mi-goutte, un coup, c'est arrivé, mon petit neveu là. Oui, végétarien. Ça m'a goûté un petit peu la sauce. M'a goûté un petit peu la sauce. Ma goutte de sauce. La sauce est quand même bien. Bonsoir, à soi fait plaisir. Ouais, goûte. Bonsoir, à soi fait plaisir. Ouais. Goûte. Ça fait plaisir. Parce que son repas là passe par grand brûlé. Donc, on va manger un plat de viande à soi. Non, la viande même, pas si elle va manger, mais goûter, elle va goûter là à côté. Ah. Vous rajoutez un peu de poivre? Un petit pincé, un petit pincé. Comme là, pour y avoir. Voilà. Voilà. Le baba figue est déjà mort. Voilà. Après un petit peu de l'eau, on a besoin de la cuillère Cyril là pour. Ah, bon, il croit, on est là que le moulin, on est pas. Mais il est pas vrai! Et lui, il a un petit coup de main, hein. Ça m'y reconnaît, hein. Les parfums, il fait un peu de saucisse partout à terre, mais... Les pas grave, oui. Là où les voit la caméra, les normales, ça brise. Les émotions. Mais franchement, oui, c'est un des jolis petits carrés, hein. Moi, en tant que végétarien, je risque pas mis de goûter un petit bout, un soir. Manger un coup, hein. Ah, mais peut-être chez vous. Bon, c'est un vrai végétarien, ça. Lui jette rien, oui. Lui jette rien. Lui jette rien. Non, lui jette rien. Non, il s'est rien, lui. Non, rien de rien. Qui s'en lave, qui s'en lave, qui s'en lave, qui s'en lave, allez, diaz, on m'en arrive encore. Qui s'en lave, 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 allez, diaz, on m'en arrive encore. Moi, la vie, tu s'en donnes sous mes. Son avare à
ramasser, un bout de pain, moi la bépin, rien pour la faire. Seulement, m'y connais, moi les capables, pour me ça donne très l'âme, si y'a où mon monde est, si l'entend donne la main, on la pose pour avancer. Ouais, t'es qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, diaz, au moins, l'arrive encore au thé. Oh, t'es qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, diaz, au moins, l'arrive encore. Ça mal, oh, ça mal, oh, ça mal. Tu fais mal, ok? Je fais mon petit zizia, et pour attendre moi les pierres, moi la sans univers, la miroir, le ciel, les roses, couler à la lèvre, mon ciel, les mimoses, comme si l'amour qui cause, ensemble avec mon père, il explose. La montagne est vert, couler à tisser, dans ce mot couvert, tu fais mon PC, faut que m'y lève, pour aller travailler, ça écrase mon rêve, il cause mon effet. Alors comme ça pour prolonger mon sommeil, moi la couvert à l'eau, j'y remplace le soleil. Oui soleil, l'actualité ôté, ça l'a pas travail pour Dieu. Ôté qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Allez, diaz, on me l'arrive encore. Ôté qui ça l'a dit, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait, qui ça l'a pas dit? Jean-Claude Guadin, mon pote, mon ami. Yes, I big up la réunion. Big up, yes. Conseil ça alors. Yes. Big up, allez. Big up. Hein? Bah là, regardez comment ils mettent. Ah la diazote. Ah bon, là, regardez comment ils font dans le télé, c'est pareil. Là. Ouais. Alors, Malboro, elle est bon la film. Oui. Sur la table là. Nous n'avons le riz, nous n'avons ici. Saucisse. Baba Fing. Le riz. Et ensuite, le lapin. Le lapin. Voilà. Elle est bon là. La fille n'est pas arrivée. Alors, la vie lapin, elle est là, c'est la pomme de terre dedans. Ah, à moins que c'est deux œufs lapins. Deux œufs lapins. C'est deux œufs lapins. Pomme de terre et haricots verts. Pomme de terre et haricots verts. C'est un recette inventée, nous l'a fait. Non, mais ça te prend. J'en veux dire nous. Lapin pays, pomme de terre pays, haricots pays. On peut des bandes boucles à boire des couilles, les plus pressés là. C'est pas mauvais bout. Viens d'où? Viens d'où? Ah, moi, je viens d'où? Ouais. Ah, moi, je viens par la plaine. Viens d'où? Pas de, d'où? Pas de la plaine des cas, bien sûr. Peut-être que je viens d'un d'où, non? Il ressemble en tout cas. On dirait, hein? Là, peut-être pas là, parce que pas quoi faire en tout cas. Ah bon, pas quoi faire? Ouais, elle est bon. Mais bon. Tu viens d'où? De quelle origine
Quelle, je t'en pose secteur. Des questions, moi hein quel... Godzilla, mais pose des questions, moi Pour mais... autant de manger, et là, autant de parler d'une question mais... presque existentielle. Quel secteur, alors secteur l'Est. L'Est, ouais. C'est-à-dire L'Est de la Réunion. Là où il pleut tout le temps, là, tu connais, hein. Saoutchouakin. Saoutchouakin. Ben. Ou à troupe d'un fourrier. Ça me laisse les autres, moi. Mais ça va, moi. Maintenant, on a fait pouffer. Ça va. Allez, nous retrouvons les autres semaine prochaine, les bons. Julie, semaine prochaine. Les bons. Malboro, nous retrouvons la semaine prochaine. Les bons. Allez, nous retrouve. Allez, à bientôt. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.